Salut les amis, salut tout le monde. Donc voilà, aujourd'hui je vais parler un petit peu sur ma vidéo. Parce que c'est vrai que j'ai plus trop l'habitude de parler sur mes vidéos. Avant c'est quelque chose que je faisais beaucoup. Mais en même temps ça me permet de vous expliquer 2-3 choses. Commencer à Paris Pro, les gars, je suis pas quelqu'un qui veut lui casser les couilles tous les jours, hein. Les vrais le savent, les anciens qui me suivent le savent, hein. iPro c'est un ami à moi et voilà... Moi je me régale à le faire chier en fait. Donc vous inquiétez pas sur ça. Sachez que tous les personnages que je prends pour la school à chaque fois sont toujours des personnages très dérangés de la tête, hein. Faut le savoir, hein. En étant méchant je crée de l'action en même temps. Donc comprenez les gars, hein. C'est pas pour faire chier le monde. Je voulais aussi vous remercier pour tous les commentaires, hein. Ça fait quand même plaisir d'avoir autant de soutien. Ça fait vraiment plaisir. J'ai des critiques constructives. Donc ça m'aide. Comme me remettre à parler en début de vidéo, je trouve que c'était une bonne idée. Bon, je vais pas trop parler quand même non plus, hein. Je vais vous laisser sur cette vidéo, les amis. Puis je vous souhaite un bon visionnage. Monsieur, bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. Ah, tu vas bien, chef? Vous allez bien, chef, aujourd'hui? Ah, je me retiens de votre tête. Ça va, hein? Venez voir, venez voir. Qui êtes-vous, monsieur? Ah, je viens voir, je regardez viens comment voir. Mate la racaille. Sergent Major Bergam, si vous voulez. Ah, mais moi, j'ai un sergent. Avec moi. Vous m'appelez Sergent Major. D'accord, d'accord. Et vous arrêtez de faire le malin parce que vous n'allez pas durer ici longtemps. La pauvreté et le manque de moyens font l'éducation. Et toi, je pense que t'as été un petit peu trop gâté. Ne pas mettre ton uniforme et tu rejoins les rangs. Repos. C'est bon. Bon. Non, merci. Ah, c'est quoi? C'est un ouf, t'as dit? C'est un ouf, t'as dit? Reste là, toi. Tiens, aïe, 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 d'être là. Oui, monsieur directeur, oui. Ah, j'étais obligé de faire appel à quelqu'un qui aura vraiment la poigne pour diriger un peu ses élèves. Ah, très bien. On va mater la racaille. On va mater la racaille. Pas de problème. Ça sera notre nouveau prof de sport. J'ai pris un militaire endurci. Ah, militaire, ouais. Au moins, ils verront. Ils verront à qui ils ont affaire. Ils parleront deux fois. Exactement, monsieur. Alors comme vous avez pu le constater, vous avez vu qu'il y avait un nouveau professeur. C'est un professeur de sport. Comme j'ai vu que vous étiez un peu, hein, un peu distrait, on va vous montrer le droit chemin par une autre façon. L'autorité. Ce monsieur est un ancien militaire, donc il y aura du répondant. Je compte sur vous pour adopter un comportement exemplaire. Alors ceux qui n'ont pas le prof, qui ont le prof absent, ils feront cours de sport avec ce monsieur-là. Oui, monsieur. Oui, monsieur, voilà. Le grand chien. Oui, monsieur. Messieurs, je vous laisse poursuivre. Prof de cuisine, il est pas là. En fait. Je peux vous parler deux minutes, monsieur le directeur? Je pense qu'on va rassembler les deux classes et on va faire un cours spécial. Hein? Oh non. Pour ces deux mais classes, non. Là. Mais non. Mal. Eh non, ne pas. Monsieur le directeur, on pourrait vous parler. Sinon, moi, on peut rentrer dans notre chambre et dormir. Ouais, c'est bien ça aussi. Ah, t'es déjà parti. Qu'est-ce que tu fais en tenue de sport, toi? Bah, on a sport. À la place de police, on a sport. Prends ces deux élèves avec moi. Venez, dites-moi ce que vous avez. Ouais, viens. Allez, un cours de sport, vous m'embarquez tout le monde, là, vous les faites courir, là. Ça sue, que ça transpire. Sport, je veux la classe 1. Encore sport. Oh non, c'est nul. Il y a des non, petits insolents, hein, qui s'amusent à traîner la nuit. Ah, c'est pas moi, ça. Vous inquiétez pas, j'ai l'œil de partout. Ah. Vous venez transpirer, c'est pas de ma faute, je fais des insomnies. Ah, effectivement. Ouais, ouais, ouais. Mesdemoiselles, venez. Il doit prendre des médicaments. Monsieur, vous vous souvenez hier quand on est sorti pour en chercher votre voiture? Vous êtes sorti parce que moi j'étais pas là. Oui. On a eu une piste pour votre voiture. On l'a vue une fois. Et vous savez où est ma voiture? Où est-elle? Elle était garée pas loin d'un certain McDo. Et vous faisiez quoi, ce certain McDonald's? Bah, on cherchait votre voiture, monsieur, comme vous nous l'avez demandé. Mmh. Et à du quelle coup, heure je sais plus était quelle heure, mais il était... je sais pas, 10 minutes après la fin des cours.
par exemple. Ah. Au McDo, vous dites. Ouais, et si vous très, voulez, très bien. Si vous voulez, ce soir, on va la récupérer. Si elle est encore là, on vous la ramène. Non, 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 je vais en faire une affaire personnelle, vous en faites pas. Est-ce que quelqu'un de vous aurait aperçu le petit Thomas et sa copine? Non. Non. Ah, non. Vous non plus. Bizarre, bizarre. Commence à m'inquiéter, tout ça. Ouais, on a théâtre. Allez, en cours, on va régler tout ça plus tard. D'accord, monsieur, à tout à l'heure. Il faut vite que j'appelle ce McDonald's pour voir qui était au volant. Ça m'aidera peut-être. Ne vous inquiétez pas, je ferai des tours. Je ferai tourner les gars, ne vous inquiétez pas. À ce qui paraît, elle fait des plans à trois. Elle fait des plans à trois, donc vous pouvez vous partager le numéro là entre vous. Qu'est-ce que j'entends? Oh merde. Ah, ah. Alors les gars, qu'est-ce que je le disais? Donc on va faire un plan. Alors vous allez faire un plan tous les trois là. Tous les trois, vous allez faire un plan tous les trois là. Dans mon bureau, vous. Ouvrez vos cahiers, révisez un peu. D'accord. Venez avec moi, vous. Je crois que j'avais été clair. Je croyais que j'avais été clair. J'ai rien fait, monsieur Gracia. Vous avez rien fait? Vous foutez de ma gueule? Vous croyez que j'ai pas entendu? Mais écoutez-moi. Vous croyez que j'ai pas entendu? Mais non, j'aurais dit, vous trois là, vous allez faire un plan. Un plan pour essayer de construire la voiture. Parce que j'essaie de leur faire construire un véhicule téléguidé. Pourquoi vous allez faire un plan? Donc voilà. Pour construire la voiture téléguidée. Je sais pas si vous avez entendu, monsieur Grinchon, mais moi y'a rien du tout. Hein. Et vous faites des équipes de trois, c'est ça? Oui, c'est ça, voilà. Et l'autre il reste tout seul pour superviser. Ouais. Voilà, monsieur Grinchon. Bon, retournez à votre cours. Merci, monsieur Grinchon. Bonne journée. Ah. Hop, 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 là. Venez ici, jeune homme. Non, mais on s'amuse. Qu'est-ce qui se passe? Il me demande comment... Vous amusez? Comment... Deux heures de colle, tous les deux, à la fin du cours. Eh, mais monsieur, écoutez-moi. Allez manger, maintenant. Il me demande comment jeter les gens par terre, je lui ai expliqué. Je m'en fiche, deux heures de colle pour chacun. Il y a le feu. Il y a le feu dans la cuisine, il y a le feu dans la cuisine, il y a le feu dans la cuisine. Il y a le feu dans la cuisine. Sortez, quittez l'école. Sortez de l'école. Sortez. Tout le monde à l'extérieur. Il y a le feu, 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 il y a le feu dans la cantine. Il y a le feu dans la cuisine. Tout le monde à l'extérieur. Il y a le feu dans la cantine. Tout le monde à l'extérieur. On évacue, tout le monde à l'extérieur. Taisez-vous, tout le monde à l'extérieur. Évacuez. Ceci n'est pas un exercice. À l'extérieur, tout le monde à l'extérieur. À l'extérieur. Sortez plus vite et que ça saute. Attends, je vais aller voir. À l'extérieur, qu'est-ce que vous observez? À l'extérieur, Fares, à l'extérieur. Vous aussi, soldats, à l'extérieur, et que ça saute. À l'extérieur, s'il vous plaît. Bien. On va devoir appeler les pompiers. Ah non, 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 non. Ceci sont des procédures. Non, 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 ça ira, ça ira. Code 4.2. Hein, on a une image procédure à entretenir. Non, 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 ça ira, ça ira. Ça ira. Très bien. Allons voir les élèves. Ah, bon, chers élèves, est-ce que tout le monde m'entend? Silence! Oui, oui. On vous entend. Pendant que vous serez en cours, quelqu'un va passer de casier en casier. Nous sommes à la recherche de briquets. Et peut-être même d'essence. Donc nous allons nous permettre d'ouvrir tous les casiers pour vous fouiller. Pour fouiller tout cela. Il y a eu un incendie. Et on va trouver le coupable. Ah, vous en faites pas qu'on va trouver le coupable. Je me suis bien fait comprendre. À moins qu'il y en ait un qui veut se dénoncer tout de suite. Non? Très bien. Les professeurs, amenez-les en cours. On va régler cette histoire de toute façon. Allez hop hop hop. Allez, on continue la vérification des casiers, nous. Venez, venez. Déjà, ça, on l'arrache. Ça, on l'arrache. Je veux plus le voir, ça. Voilà. Oui, monsieur directeur. Allez, on se fait tous les casiers. Je veux voir. Ah, attendez, attendez. Qu'est-ce qu'elle fait là, cette fille-là? Je comprends pas. C'est moi, Anastasia. Elle va louper tous les cours, cette petite.
Mais non, monsieur directeur, elle m'a insulté, elle m'a montré un doigt d'honneur, monsieur directeur. Comment ça? Oui, dans mon bureau, de suite. Allez, demoiselle, je suis directeur. Allez, venez, viens, rentre, mon enfant, rentre. Voilà. Fous-la, toi. Que faites-vous là, vous? Je dégage, toi, Alpha. Sortez de mon bureau, j'ai affaire. Petit monstre. Viens ici. Oui. Viens ici. Tu viens ici. Viens. Ouais. Rentre dans la pièce, y'a plein de jouets. Ouah, ouah, y'a rien. Mais y'a moi. Écoute-moi, écoute-moi. Écoute-moi, si tu veux rester tranquille, je te tiens par les cheveux, là. Si tu veux rester tranquille encore, hein, tu vas faire ce que je te dis. Tu vas faire ce que je te dis, parce que sinon, ça va mal aller. Ok? Ok? Allez, tu sors maintenant. Allez, tu dégages d'ici. Je vais te voir la prochaine fois, tu passes sur la grille. Est-ce que c'est bien compris? Par les cheveux. Aïe. Allez. Et maintenant, je te dégage. Aïe. Allez. Et que je te revoie plus. Si j'entends encore parler toi, ça ira très mal. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Oui, oui. Putain, cette porte de merde. File. Il est fou. Directeur adjoint, il a frappé la gamine. J'ai entendu, il a donné des coups de pied. Et j'ai entendu. Non, c'est pas possible, non, il ferait pas ça. Si, regardez comment il est énervé là. Non, mais monsieur, il a dit cours. Et puis il l'a tapé, j'ai entendu des coups de pied. Oh mon. Viens voir ici, toi. Viens voir ici. Arrêtez-le. Ils ont de la chance. Ça aurait été la nuit, je les aurais bouffés. Oh non, je suis voilà, monsieur directeur. Amenez-le dans mon bureau. Et voilà, c'est bon, je suis mort. Oh merde.